Yo, le frère, gros bonjour à tout le monde. Merci pour la fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombasa Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi, nous allons vite écouter dirigeant mouvement débloqué avec dirigeant plateforme Équilibre qui a demandé quelques bagailles ici en Haïti. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes encore veut remercier tout le monde qui toujours marche TV Caraïbes pour l'information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Mombasa Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier d'abonner avec TV Caraïbes. Et puis, ouvrir la chaîne de notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous ne pas perdre du temps, nous déroulons avec information. En nous, dirigeant mouvement débloqué, réclamé intégration, militant proche, parti haïtien tête calée, dans l'administration publique. La. Et nous voulons faire connaître tout. Dirigeant plateforme Équilibre, encourager la Cour des comptes. Pour publier troisième tranche rapport sur façon l'argent comme Petro-Caribéa t'es dépensé. Ces informations ça nous gagne pour nous pas perdre du temps. N'a pas commencé couler. Le 17 octobre, 18 novembre jusqu'à 22 novembre dans même année, 7 juillet 2019, 9 juin, vendredi 16 septembre 2019. Pour arriver en décembre 2019, la bataille a été une pire pour le pays en général. Malgré tout risque, nous te prenons, dans traverser la barricade, dans débloquer la rue, dans faire bataille médiatique, organiser marche pour la paix, faire promotion pour le dialogue là, en pile dans le temps, nous perdons bien nous, gagner qui perdit vie, gagner là-dedans tout, qui est dans le cachet à cause de la défense du pouvoir. Depuis sous premier ministre Jacques Guy Lafontaine, privé sous premier ministre, joue toute décision qu'il prend, il n'a pas jamais consulté base, organisation, yo, militant, yo, qui c'est véritable force pouvoir. C'est peut-être ça, nous-mêmes militants conséquents, qui n'ont organisation, yo, base, yo, qui mettait sous pied gros outils ça, pour défendre droit. Chaque grain allié pouvoir, selon déclaration président, pour te former un gouvernement union nationale, côté tout secteur doit venir poté coller, eh bien, il y a un secteur qui néglige, qui parle l'autre que nous-mêmes, basio, organisation, yo, groupe allié pouvoir. Comme tu restes là, c'est pour peuple là, président Jovenel, c'est roi. Nous-mêmes, nous devons presse. La plateforme politique Équilibre qui prend bâton pèlerinni, qui mette nous à côté population pour nous demander troisième tranche rapport Petro-Caribéa. Côté que nous faisons plusieurs conférences de presse déjà, nous faisons plusieurs sittings déjà, et nous avons un énième sitting nous pourrons le faire jeudi 4 12 mars 2020 devant la Cour supérieure des comptes pour nous exiger pressé pour M. Damio bail dernier tranche rapport Petro-Caribéa. Ça fait longtemps que nous avons mis côté population pour nous exiger troisième tranche rapport. Nous ne savons pas qui est invisible qui bloque. Nous ne savons pas qui côté le bloqué. Eh bien, nous-mêmes, plateforme politique Équilibre, nous demandons, M. Dam, pour se faire des comptes, pressé pour délibérer la population. Parce que avec troisième tranche rapport Petro-Caribéa, eh bien, nous sommes capables de gagner. Yon justice sans force côté, n'a pas capable de gagner une justice équitable côté que pour exemple tracé. C'est le premier pays nous côté que les nous des autorités qui briguent des postes au plus haut sommet de l'État côté que yon pas voulu rendre compte de gestion. Yo. Haïti pas qu'à comme ça. C'est peut-être ça nous-mêmes. Nous prenons bâton pèlerin, nous demandons pour la Cour supérieure des comptes, by troisième tranche rapport Petro-Caribéa, de sorte que pour une justice équitable dans la société. Pour l'autre jeune garçon, jeune femme qui aspire pour briguer des postes ou plus au sommet de l'État, pour ne pas venir faire même bagarre avec ça qui est passé déjà, pour connaître lorsque vous venez dans l'État, ce n'est pas venir faire trafic d'influence, ce n'est pas venir gaspiller, c'est pour venir gérer l'argent population, j'en dois gérer sans parti pris. Voilà. Équipe TV Caraïbes dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là.
les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.